بسم الله الرحمن الرحيم. دونك في هذه لا فيديو غادي نحاولوا نسي دو ريزودر ان اكزرسيس اون بارتي دان اكزامان تاع 2014 اوبسيون فيزيك شيمي. دونك لا بارتي الكتريسيتي عندنا هنا واحد لو شيما كيستعملوه باش يديتكتيو ليميديتي تاع لو دوغري دو ميديتي دون اون سال او بيان سي با. Donc le degré d'humidité à l'intérieur du laboratoire. Il y a un système de condensateur. Donc nous allons avec une bobine et après le deuxième schéma, on va mettre le condensateur. Donc on a l'introduction. Donc première expérience. Dans cette expérience, le technicien a réalisé un montage en série qui comprend donc un générateur idéal. De tension FEM égale E, il m'affiche la résistance interne. Donc un conducteur ohmique de résistance R égale 200 ohms, une bobine ou un interrupteur K. Dans cette expérience, on néglige la résistance R de la bobine devant la résistance R du conducteur ohmique. Il y a dit que la bobine est la résistance DLH très très petite par rapport à la résistance du circuit. Donc, tout ça au safre, le technicien a fermé le circuit. Il a enregistré en utilisant une interface informatique les variations de la tension UR au bord du conducteur ohmique, au bord de la résistance. Après le traitement des données, il a obtenu la courbe représentée les variations de l'intensité dans le circuit. Figure 1. Donc, de la figure 1. Donc, représenter le schéma du circuit en indiquant le branchement de l'interface utilisée pour visualiser la tension UR au bord du conducteur. Donc, atteignant le schéma, ou bien le branchement qui est en zéro, c'est l'interface, parce qu'il faut la tension UR de T au bord du conducteur ohmique, au bord de la résistance. Donc, la réponse. Ou bien solution. Le schéma dit non. On a un générateur idéal. Le générateur, inversement, le générateur dit non. Quand Ramzo est acteur. De courant I. Après, c'est égal ou non. De tension de FME. Un conducteur ohmique de résistance R. Un conducteur ohmique. De résistance R. R. Non. UR. Donc c'est bon. On a eu un dindiro. La masse dien non. On a pas de bro. Dic UR de teligan non. Un dindiro. On a non la masse. On a non la phase. Quand on dit Y. C'est bon. Donc la voie Y. Donc l'oscilloscope. Ou on a pas l'oscilloscope. On a dindiro l'interface. Donc c'est les mêmes choses. Et au stade, des fois qu'on a beaucoup de voix, qu'est-ce qu'on Y1, Y2, on a le cas simple, on a Y, Y1. Après, au chagal ou non, je pense la bobine. La bobine B. On a la bobine B. L. Donc, on a ce qu'on UL. On a après au chagalk un interrupteur K. Un interrupteur K. C'est bon. On a le courant I qui circule. Qui circule, c'est bon. Donc là où est le schéma. Donc parce qu'on a bro UR de T, on va dire on a la masse ou Y la voie. On dit 1 1 1 2.
Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. Donc, établir l'équation. Donc, équation différentielle. Donc, l'équation différentielle vérifiée par I de t. Donc, par I de t, il y a une équation. L'inconnu idéal est I, une équation différentielle. C'est bon? Donc, on a dit dire soit en appliquant la loi de l'additivité, c'est-à-dire les tensions, on va dire UR plus UL est égal à E. Ou là, on dira le sens arbitraire, par exemple. On jumeau, la somme des tensions égale à 0. UR plus UL moins E est égal à 0. On dira des tatanahadi, donc c'est le même résultat. Donc UR plus UL égale E. Donc UR, je n'ai pas UR. UR, il y a RI. Donc RI plus UL, il y a LDI sur DT est égal à E. Donc l'équation Galna vérifiée par I de T. Donc on isole I de T, c'est-à-dire que c'est moins la R. Tout le monde a I plus L sur R D de I sur DT égal à E sur R. Donc, c'est le quotient est là. R. Donc, il y a l'équation. C'est mieux à 1 ou là, c'est mieux à l'hybride. D'abord, je vais le nom. 1, 3, la tour. Établir un 5 représenter le schéma circuit indiquant le branchement d'interface. Établir l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle, il y a I est égal à E sur R, 1 moins exponentielle pour déterminer l'expression de temps. Donc, troisièmement, expression de temps. Donc, 1, 3. Expression de temps. Ou attends, on a fait les données, I de T. Attends, on a la solution de l'équation différentielle. Il y a I de t est égal à E sur R fois 1 moins exponentielle moins t sur t. C'est bon? Donc, on a l'équation différentielle, on a la solution de là, on a fait l'autre. Donc, on a dit mars qu'on fait le résultat, ou on a le résultat. L'équation différentielle, on attaque l'expression de i. Donc, on va enchaîner, on va faire le 1, 3 ou le 1, 2. Donc, on va le résultat 1, le résultat 1, on va l'exploiter. Donc, le résultat, on a d de i sur dt. Donc, on dit que d de i sur dt, on dit on a d de i sur dt, et il y a d sur dt, déjà e sur r. 1 moins exponentielle moins t sur t qui est égal à d sur dt de e sur r moins e sur r exponentielle moins t sur t. Donc tatana a des estimes constantes, tatana 0, tatana moins e sur r a des estimes constantes d sur dt exponentielle moins t sur t. T'attends moins e sur r d sur dt de moins t sur t exponentielle moins t sur t. L'ina d sur dt de exponentielle de f de x, il y a f prime de x, il y a d sur t ou la sur d de x ou la sur dt, on a des t. Il y a d sur dt de f de t fois exponentielle f de t. Il y a f prime de t fois exponentielle f de t. C'est bon? Donc, tu attends moins e sur r. D sur dt, tu as moins t sur t.
شنو هي؟ هي موان سور طو اكسبونسيال موان تي سور طو كي تيغال او سور ار طو اكسبونسيال موان تي سور طو. هي هذه هي دي دو اي سور دي تي. دونك غادي نجيو نعوضو عندنا دي دو اي سور دي تي وعندنا اي دو تي غادي نعوضوها في ان. Donc, on remplace dans l'équation ou là la relation 1. On remplace dans l'équation 1, l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est bon. Donc, non. I, I, je I, I, je I, E sur R. E sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur taux plus L sur R D de I sur DT E sur R taux exponentielle moins T sur taux est égal quoi est égal à E sur R. Donc E E sur R moins E sur R exponentielle moins T sur taux plus E sur R exponentielle moins T sur taux facteur de donc on a E sur R facteur de L sur R taux est égal à E sur R. Donc E sur R ma E sur R t'mchi. Donc à tout l'inna moins E sur R exponentielle moins T sur taux plus E sur R exponentielle moins T sur taux fois L sur R taux est égal à 0. Donc à l'art oublie E sur R exponentielle moins T sur taux hier à Amin Mouchtarak. Donc E sur R exponentielle moins T sur taux facteur de L sur R taux moins 1 est égal à 0. Donc Hada il est différent de 0 quel que soit T. Quel que soit T, Hada gradicon différent de 0. Donc en tout cas, non, L implique L sur R taux moins 1 est égal à 0. Donc Hada quel que soit T. C'est bon. Donc, on a qu'un futur là, taux. Donc, L sur R taux est égal à 1. Cela implique que taux, taux de l'électrogène est égal. Taux, on dit là, le force, on prend L. Taux est égal à L sur R. Donc, il y a un taux. Donc, allez, monsieur, d'abord, question 4. Question 4. Vérifie que la valeur de l'inductance L de la bobine, L, est égale à 0,4 henry. Donc, 1, 4. Non. Taux est égal à L sur R implique que L est égal à taux fois R. Tommy Kenjibouha. Kenjibouha me dit que la tangente, naï haï à la tangente. Chat la tangente est non ah il y a la tangente quatre là quatre pchi directement ah il y en a très bien chat le 2 très bien 2 donc 2 ah il y a 2 non donc l'intersection bin un ras moi garçon كتكون عندنا هنا المهم انا ما عنديش ليشيل نيشان ولكن باغ اكزومبل غادي تكون لا كورب هنا عندنا لو لا طون ميلي سكوند وهنا عندنا اي
en milliampères. Donc, très bien, la courbe hakda. Pardon. Là, il y a non, le maximum. Donc, il y en a non. Très bien, non. Tangente. Chérie, très bien, monsieur. Donc, non. 2. Donc là, je fais la projection. Je vous dis que la valeur est le cas. Donc là, non. La limite, il y a non. Le top de la courbe, il y a non. Là, en fait, donc l'intersection, là, on a 30, le maximum. 30 milli ampères. Le maximum maintenant 30 milliampères. L'intersection binhad Fokani, bah, dire la projection dit que la valeur est à tenir hiya. Donc un atto est égal à 2 millisecondes, qui est égal à 2 fois 10 moins 3 secondes. C'est bon? Donc, on a un dicto. Est-ce que maintenant? Là, il y a l'intersection, d'abord le point d'intersection, tu as la tangente. Donc, dire la projection, non. Tu as 2 millisecondes, c'est bon. Donc, L est égal à 2 millisecondes, taux est égal à 2 millisecondes, donc L est égal à taux fois R. Avec R est égal à 200. 200 la 2000, ma 200. Ohms. Donc R est égal à 200 ohms. Donc application numérique. L est égal à taux. Taux il y a 2 fois 10 moins 3 fois 200 qui est égal à 4 fois 10, 2 fois 10 moins 3. Il y a 4, il y a 2 fois 200, il y a 4 fois 10. 2 fois 200, il y a 400. Il y a 4 fois 10 exposant 2. Donc, L est égal à 4 fois 10 exposant 2 moins 3. Donc, L est égal à 4 fois 10 moins 1 Henri. Donc, L est égal à 0,4 Henri. Donc, on a vérifié que L est égal à 0,4. Vérifier que L est égal à 0,4 Henri. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me faire des suggestions les commentaires. Il vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Donc, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Et on met une sauce de faire le jaras, parce qu'il y a de la deuxième partie, ou des exercices, autres exercices que je vais corriger. Donc, bon courage et à la prochaine. Donc, haoulou tkhedmou la deuxième partie, parce que ça va jamais.